Et bien salut à tous, ici SuperMusi63 pour une nouvelle vidéo les amis sur Bleach Brave Soul pour réaction des stats et des gameplays de Noël et de Nini, si je me rappelle bien de leur nom, si je me trompe pas. Je pense que oui, corrigez-moi en commentaire si je me suis trompé, mais c'est bien Noël et Nini. Pour demain les petits potes à 9h du mat, mais malheureusement je serai en cours à 9h, du coup je pourrai pas rec la vidéo demain à 9h, mais je pourrai rec cette vidéo l'après-midi, voilà, je termine vers 13h, voilà, le temps que j'arrive chez moi, le temps que ça arrive, que la vidéo arrive, ça va arriver l'après-midi, voilà, tout simplement. Mais avant de faire la petite réaction les petits potes, on va faire un petit tour sur les news de BBS. Allez, let's go. Alors, voyons voir pour les news, les petits potes de BBS pour à partir de demain, si je me trompe pas. Du coup, allons voir ça. Merci pour votre fidélité à Bleach Brave Soul. Une opération spéciale débute pour fêter la collaboration entre Brave Souls et Burn the Witch, le nouveau projet de l'auteur Tite Kubo. Jouez tous les jours et gagnez des récompenses exceptionnelles. Et ça, on veut bien. À propos, non, ok, ça c'est pas très important. Bonus de connexion Burn the Witch. Des bonus de connexion spéciaux sont disponibles. Durant la période, vous recevrez un bonus de connexion spécial de 5 orbes spirituels chaque jour. Ça, c'est plutôt nice, les petits potes. Et c'est à partir d'aujourd'hui, là où je tourne la vidéo, normalement, j'ai reçu 5 orbes, voilà, j'ai reçu 5 orbes pour aujourd'hui. Ça a commencé le 15 octobre à partir de 17h et ça va se terminer fin octobre, le 31 octobre à 16h. Voilà, tout simplement, du coup, allez récupérer un maximum d'orbes. Voilà, c'est des orbes gratos, allez-y, allez vous connecter chaque jour à 17h pour prendre les 5 orbes. Et bien évidemment, il y a des packs, j'ai vu qu'il y a énormément de packs à partir de demain, si je me trompe pas. Là, il y a un pack Brave Soul Or. Après, je vous laisse regarder, bien évidemment, parce que il y en a pas mal. Là, il y a un pack Brave Soul Argent. Voilà. Mais après, je vous laisse regarder ce qu'il y a pour les cash players. Pour moi, ça, ce genre de pack, ça m'intéresse pas. Du coup, voilà. Après, je vous laisse regarder dans les news ce qu'il y a à l'intérieur de ces packs, tout simplement. On aura des ordres spéciaux Burn the Witch à partir de demain à 9h jusqu'au 31 octobre à 8h. Voilà, des ordres spéciaux sont disponibles durant la période complétée. Les pour gagner un pinceau de réécriture et un arcane d'attaque spécial force. Ouh, ça c'est bien pour mon petit iconé. Ça je savais pas. Ah là, ça vaut le coup d'aller faire les ordres les petits potes. Et on a quoi faire? Terminer une quête de solo 100 fois. Ça, c'est vraiment rapide. Vous faites l'event à points. Voilà. Et en plus, à partir de demain, il y aura un nouveau event à points. Du coup, allez-y. Faites ça. Faites ça 100 fois. Et vous allez récupérer un ticket de loterie accessoire Brave Soul. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Terminer une quête coop ou un raid 100 fois. Ok. Et on gagne quoi? Un petit pinceau de réécriture. Pourquoi pas? Participer à 100 battles. Ok, un ticket de loterie accessoire, Brave Soul. Ok, d'accord. Et si vous complétez les 3 quêtes, eh ben, vous allez recevoir petit arcane d'attaque spécial fort. C'est bien hein, pour mon petit iconé. Après, je dis rien. Alors, quête spéciale une fois par jour, c'est à partir là d'aujourd'hui. J'ai fait ça aujourd'hui. Le 15 octobre à partir de 17h, à partir de maintenant les petits potes, et ça va se terminer le 31 octobre à 16h, la super tactique de Rukia pour gagner de l'expérience sera disponible, profitez-en pour renforcer vos personnages jusqu'au maximum. Voilà, c'est du double XP, tout simplement. Et ça c'est plutôt cool pour les nouveaux persos qui vont arriver demain. Voilà, tu drops l'un des nouveaux persos, tu mets dans cette quête, voilà, ça va monter au maximum. Tout simplement. On a des quêtes cadeaux étincelles de renouveau, voilà, pour faire pour ce revive gratuitement dans les quêtes coop. Ou même en quête solo, mais en quête solo, je pense pas que tu vas mourir. Tout simplement, le plus important, c'est que ces étincelles va te servir dans les quêtes coop.
tout simplement. Et ça va partir de maintenant et ça va se terminer le 31 octobre à 16h. Et on a des ordres réseaux sociaux à partir de demain à 10h et ça va se terminer le 23 octobre à 17h. Des ordres en relation avec les réseaux sociaux font également partie de l'opération. Tweeter ou poster sur Facebook depuis les ordres pour recevoir jusqu'à 40 orbes spirituels. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais à voir. Du coup, les amis, c'est tout pour les news d'aujourd'hui de BBS. Voilà, après, il y a aussi les... Comment ça s'appelle ? Demain, il y aura un nouveau event. Moi, je vous laisse voir ça, ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, il y a... C'est tout le temps la même chose. N'hésitez pas d'aller voir pour voir ce que vous avez comme perso bonus. Voilà, n'hésitez pas. Et là, on va aller voir les petits gameplays de Nini et de Noël. Let's go! Allez, c'est parti les petits potes. On va commencer par Nini. Incroyable. Si vous ne saviez pas, eh bah, le personnage qui me hype le plus entre les deux persos, eh bah, c'est Nini. C'est Nini les petits potes. Et du coup, ça fait plaisir. Et du coup, let's go. On espère que ça sera un très très bon perso qu'elle a en gameplay de folie. Allez, let's go, c'est parti. Oh là là, c'est magnifique. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors voyons voir. Full screen, ok, d'accord. Ok. Avec des rubans. Ok, c'est quoi ça? C'était quoi ça? Ah mais en plus il a du shield. Ah ouais, qui fait un tourbillon. Ok. Oh là là. D'accord. On va retaper ça les petits potes. J'aime beaucoup son gameplay. Franchement, Nini, pas de déception. Franchement, je suis... Ouais. Ouais, c'est comme Tsukishima. Ouais, ça absorbe et après, ça part vers l'avant, j'ai l'impression. Une petite AE qui passe vers l'avant. Et là, l'auto-combo... Incroyable, c'est rapide. Alors franchement, les petits potes... Waouh, la petite Nini, elle est incroyable, je l'aime beaucoup, franchement, c'est elle qui me hype le plus entre les deux, et franchement, waouh, ouais, je veux ce perso, elle est incroyable, mais les petits potes, il faut pas oublier, il y a la petite Noël derrière. Du coup, allons-y, allons voir ça. Alors, let's go les petits potes, la petite Noël. Allez, let's go, c'est parti. Waouh, leurs specs sont magnifiques. Full screen, ok, d'accord. Ça, c'est plus beau que Nini, de maintenant. Ok. Ah oui, qui explose. What? Ça explose et après... Double hit, Zerman, non? Attaque combo, ok, d'accord. On va revoir les petits potes. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'ils font à Kela. Franchement, rien à dire. Full screen, ok. Mais la deuxième string, c'est... J'arrive pas... Est-ce que ça explose... Naoe? Là, est-ce que c'est un petit dash? J'en sais rien, ça explose et après ça part vers la... Elle part. Ok, d'accord. Alors franchement, Noël, elle aussi, elle est incroyable. Les deux personnages sont incroyables. Leur gameplay, incroyable. Mais franchement, incroyable leur gameplay. Il n'y a rien à dire. Franchement, waouh. Sincèrement, comme j'ai dit tout à l'heure... Le perso qui me hype le plus entre les deux, c'est Nini. Mais ce que j'ai vu, le gameplay de Noël, je veux les deux. je veux les deux. Mais après, le petit problème, les petits potes, faut pas oublier que ces deux personnages vont arriver demain. Mais c'est un step-up incroyable. C'est de 30 paliers. Je pense pas que je vais dépenser toute, enfin,
que je vais y aller dans jusqu'au 30 paliers. Pour vous dire, je pense pas y aller jusqu'au bout. Franchement. Et on espère des bons fillers avec. Et avoir les fiches de stats aussi. Mais en tout cas, leur gameplay, il n'y a rien à dire. Je les veux. Franchement, les deux, je les veux. Même si Mimi, c'est elle qu'elle me hype le plus. Noël, je veux. Franchement, je veux. Ouais. Je veux, je veux, je veux. Allez, let's go les petits potes. Allons voir les fiches des stats de ces deux persos qui sont magnifiques. Allons-y. Allons-y. Allons voir ça. Déjà, leurs gameplays sont magnifiques. Et si ils ont encore un truc de ouf, voilà quoi. Alors, on commence par Nini encore. La pétillante chanteuse Nini Spangler, ou je sais pas. En plus, j'ai pas encore vu le film de Burn the Witch. À noter, à noter. Alors, une tueuse d'art encore et de per. Double killer? Une tueuse d'art encore et de personnages? Comment ça, de personnages? Hein, peut-être tueur aucun? Je pense. Aucun ou humain. Ouais, tueur aucun ou humain, un truc comme ça. N'ayant aucune catégorie spécialisée dans les attaques puissantes bleues. C'est ce qu'on a vu. Son attaque puissante 2 déploie une barrière pour vous permettre d'attaquer librement vos ennemis. C'est ce qu'on a vu, oui. Ça, c'est bon, ça. Ces compétences lui permettront d'augmenter la portée et le nombre de coups de ses attaques puissantes. Et son soutien renforcé lui permettra de les utiliser très souvent. Oh, moins temps de recharge, ok. Dans son soultrait, ok, d'accord. Un cocktail redoutable. Elle pourra également annuler la résistance bleue des ennemis. Enfourchez votre dragon et partez à l'assaut de n'importe quelle quête. Attends, double killer? Un soultrait de temps de recharge? Et à mon avis, moins 14%? Si. Ouais, il y a un moyen que ça soit ça. Et résistance bleue. Enfin, elle peut annuler la résistance bleue comme Byakuya. Byakuya des 5 ans. Oh lolo. Ok. Voyons voir Noël. Sa stoïque partenaire d'uniforme, Noël Nihachi, une tueuse de Shinigami et deux personnages. Ok. Ok. Là. Très bon tueur de Shinigami à préciser et de personnages. Bon, ça je sais pas trop est-ce que c'est humain ou aucun. N'ayant aucune catégorie spécialisée dans les attaques puissantes bleues. Ça on sait, on a vu dans les gameplays et catégorie aucune catégorie, ça c'est tout à fait normal. Ses compétences lui permettront d'augmenter le nombre de coups et les dégâts de ses attaques puissantes, mais aussi de diminuer leur temps de recharge. Pour une animation absolue, même à distance. Ok, attends. Et pour un peu plus de destruction, son soultrait augmentera encore leurs dégâts. Ok, son soultrait, c'est attaque puissante, genre 20%. Ouais, un truc comme ça. Attends, il y a un problème. Ses compétences lui permettront d'augmenter le nombre de coups et les dégâts de ses attaques puissantes, mais aussi de diminuer. Genre dans sa fiche de stats, dans ses compétences, il y a moins de temps de recharge? Mais c'est pété! Elle pourrait également annuler la résistance bleue des attaques ennemies! Ne la mettez pas en. Quoi? Noël, elle est plus cheatée que Nini. C'est une blague? Attends, non, il y a un truc que j'ai pas compris dans la phrase. Non, c'est sûr. Il y a un problème. Ah, ok, il nous balance. Ok, d'accord. D'accord. La petite Nini, affinité vitesse. Vitesse tech, pardon. D'accord. Noël orange, d'accord. Ok. Vastolord, des 4 ans, d'accord.
Kenpachi First Battle, je l'ai pas. Lisa, pff, je l'ai SP5. Tensa, SP2, SP3. Neliel, ok. Shuei Tech, d'accord. Ulquiorra des 3 ans. Siphon. Ok, d'accord. J'ai presque. J'ai tout. Sauf Kenpachi. Et peut-être. Ce Shinji. Ce Shinji Tech, je pense que je l'ai pas. Mais à voir. Je pense que je l'ai. Et dans ma tête, c'est non. Mais. À voir. Mais. On peut dire que dans cette bannière, il n'y a que 3 persos que j'ai pas. Les 2 personnages qui vont arriver demain. Et le Kenpachi que j'ai pas. D'accord. Ok. Oh mon dieu. Attends, il y a 30 paliers. Il y a 30 paliers. Il y a... Bon, ok, il y a des bons persos. Vastolord, c'est un bon perso pour... vas-y, pour le PVP. Mais il y a mieux. Kenpachi, je l'ai pas, mais c'est un bon perso. Lisa, très bon perso. Tensa, au lieu aussi. Neliel aussi. Ce Shinji, je pense que non, c'est un mauvais perso. Ulquiorra, très bon perso, je l'ai. Siphon, elle aussi, c'est un bon perso. Ouais. Il fallait ajouter un peu plus de persos, de fillers, je trouve. Mais bon, après, c'est plus de chances d'avoir Nini et Noël, quand même. Y a pas, c'est pas chargé. Après, à voir comment ça marche leur step up. Là, voilà, on va voir. Ok, d'accord. On va mettre 50 orbes dès le premier palier. Ok, on a 3% de chance de tomber sur un 5 étoiles. Ok, c'est pas gratos. Oh, quand même, il fallait mettre d'abord gratos, après 50, 150, 200, et après 250. 30 paliers. Quand même. Moi, je voyais bien une petite... un petit palier gratos, je sais pas. Quand même. 30 paliers... Bonus 5 heures de renforcement 3 étoiles, d'accord. 150 orbes, 3%, bonus une clé d'ouverture, d'accord. 200 orbes, 4%, bonus au Gyuku, ok, d'accord. 250 à partir du palier 4, il nous donne un petit volonté du Ogyoku, 6%, d'accord. Et 250, 8% de chance. Et c'est 5 étoiles garanties, bonus une étincelle du renouveau, d'accord. Et le palier 31, c'est 6% de chance et il nous donne 20 larmes de chaque infinité et une clé d'ouverture. Ok. Je trouve que c'est mal foutu leur step up là. J'aime pas trop. 30 paliers, en plus, 30 paliers, c'est beaucoup trop. Après, les petits potes, sans vous mentir, pour demain, je pourrais aller jusqu'au palier 5, sans vous mentir. Hein. Mais vraiment, sans vous mentir, je pourrais y aller que au palier 5. Hein. J'ai personne, je pense qu'il y a presque personne qui ont suffisamment d'orbes pour aller jusqu'au palier 30. C'est un peu énorme le machin. Mais bon. Dites-moi en commentaire vos avis parce que voilà. Je veux bien lire sur ça parce que Kelab, voilà. Voilà. C'est. Non. J'ai l'impression que c'est pour surtout pour les cash players. Voilà, c'est. Après, c'est mon avis. Voilà. Allons voir ça. Éclaire-moi, s'il te plaît, sur. Ces deux nouveaux persos qui vont arriver. Parce que je trouve que ces persos sont cheatés. Alors, voyons voir. 1105 d'endurance. 646 d'attaque. 356 de def. 364 de coup critique. 811 de présence P. Ok. Tueur. Elle a un double killer. Voilà. Tueur, aucun. Parce que personnage, c'est soit aucun, soit humain. Ok, d'accord. D'accord. Ok, à vous. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas? D'accord. C'est ma chance. Une rafale de son arme alors qu'elle chevauche un dragon qui inflige des dégâts colossaux à tous les ennemis touchés. D'accord.
J'aime bien la carte. La carte de Nini, incroyable. Soustrait. Je me disais bien, moins 14%. Incroyable. Incroyable. Compétence disponible, attaque normale renforcée plus 40%, attaque puissante étendue plus 20%, attaque puissante renforcée plus 60%, attaque puissante déchaînée, ça c'est comme c'était marqué au-dessus, attaque spéciale renforcée plus 60%, rapidité plus 1, et annulation de la résistance bleue plus 100%. Incroyable. Je veux Nini, je veux. Avoir Noël aussi, parce que Noël, j'ai l'impression elle est plus cheatée que Nini. J'ai l'impression. Endurance 1100, attaque 642, DF 365, coup critique 359 et présence P 815. D'accord. Et connaissance, d'accord. Tueur, Shinigami, aucun. Ok. Attaque spéciale, absolute Dragon Chaiter, d'accord. Un tir qui inflige des dégâts colossaux à tous les ennemis touchés. D'accord, sous le trait. Ok, dégâts des attaques puissantes plus 20%. Je me disais bien, au-dessus, soit c'était 20%, soit c'était 25%. Mais ils ont mis 20%. Ok, pourquoi pas, d'accord. Et là, si c'est bien ce que j'ai lu au-dessus, le perso est pété. Compétence disponible. Je vais pas me spoil en bas parce que j'ai l'impression que Noël, d'après ce que j'ai lu en haut... Waouh. Waouh. Attaque normale renforcée plus 40%. Attaque puissante étendue plus 20%. Attaque puissante renforcée plus 60%. Attaque puissante déchaînée, ok. Ça passe de là, non? Non, pas encore. Attaque spéciale renforcée plus 60%. Ou même, peut-être, je me suis trompé. Peut-être, j'ai mal lu. J'ai mal compris. Rapidité plus 1. C'est bien ce que je pensais. Temps de recharge des attaques puissantes de moins 12% dans ses compétences. Et annulation de la résistance bleue plus 100%. Alors là, Noël. Alors là, les petits potes, je sais pas vous, mais Noël. Et pété. Et vraiment pété. Vraiment pété de chez pété. Double tueur. Tueur Shinigami, très important. Tueur aucun, pourquoi pas. En sous-trait, dégâts des attaques puissantes de 20 plus 20%. Et en compétence, elle a quoi? Temps de recharge, moins 12 et annulation de la résistance bleue. Le perso est pété. Bon, il y a attaque puissante déchaînée aussi. Le perso est pété de chez pété. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces deux persos. Mais pour moi, Noël, elle est pété. C'est un truc de ouf. Incroyable. Alors là, les petits potes. Oh là 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 là. Les deux persos. Moi, au tout début, sincèrement, sans vous mentir, les deux persos, j'ai cru qu'ils vont... que ça sera cool, mais sans plus, tu vois. Pas cheaté comme ça. Les deux persos sont cheatés. Surtout Noël, hein. Surtout Noël. Hein, à préciser. Surtout Noël. Oh là 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 là. Alors là, les petits potes, sans vous mentir, il me faut les deux. Voilà. Il me faut les deux persos. Voilà, si j'ai pas les deux, je vais continuer à poule. Tant mieux qu'il y ait les 30 paliers. Enfin, les 30 paliers, je suis moins fan. Mais tant mieux. Je pense que je vais y aller jusqu'au palier 10. Je vais essayer de farmer au maximum d'orbes. Et si malheureusement je peux aller que au palier 5, tant pis. Mais... je pense que l'objectif, c'est d'avoir les deux persos, les amis. Et à noter, j'ai pas fait la tour sans Kaimon. Et je pense que c'est le bon moment d'aller récupérer un maximum d'orbes, là. Parce que, franchement, les deux persos sont incroyables. Mais vraiment incroyables. Mais vraiment. Du coup, les amis, je vous laisse.
Moi, je vais aller dans un petit coin en position fœtale, voilà, tout simplement, en mode pas bien du tout. J'ai vraiment hâte que la bannière arrive. Voilà, j'ai vraiment hâte que ça arrive demain. Ça va être dur de me retenir parce que je vais commencer demain à 8h en cours et je vais revenir chez moi 14h, un truc comme ça. Incroyable. Incroyable. J'ai vraiment, vraiment hâte de poule sur cette bannière. À vous de me dire en commentaire, les petits potes, je vous laisse écrire de ce que vous en pensez de tout ce qu'on a vu ensemble. Et on se dit à très très bientôt. Enfin, très très bientôt. Hein, très très bientôt. On se dit à demain pour l'invocation pour ces deux personnages. Mais vraiment, lâchez un maximum de pouces bleus et on se dit à demain pour l'invocation. Allez, merci de m'avoir regardé et on se dit à demain. Tchuss!